Jean-Louis, c'est Will qui tout a présenté nous une nouvelle vidéo. Bombes atomiques, armes nucléaires. Dans tout ça n'a pas sous guerre, moi certain nous t'entendons parler déjà de armes nucléaires. Mais est-ce que nous connaissons qui ça armes nucléaires? Qui ça le gain la donne pour qui ça opère comme ça? Eh bien, ou bien tombé. Will qui tout pour aller expliquer ça bien. Nous mettre ferme confiance. En même temps, pas oublier, abonner, partager pour nous faire communauté plus là grandir. Bon, rangez con nous. Pour nous comprendre les armes nucléaires, faut nous faire une petite classe chimie. Même si vous ne connaissez pas qui sac chimie, pas inquiète. Pour nous arriver à une gros bout d'explosion comme ça qui a détruit une ville, un pays, nous sortons dans un bagage qui est tout petit. Pas de monde qui a eu l'argile. Il y a eu l'atome. Et c'est là nos bombes atomiques sortent. L'atome, ça m'a parlé de lien là. C'est plus petit bagage qui est dans tout ça qui existait dans l'univers. Ou près un monde, c'est un bon atome qui rassemble qui fait. Atome qui rassemble, il y a molécule, molécule là, il y a organite, organite là, il y a cellule, cellule, il y a tissu, tissu, il y a organe, j'ai bouche, cœur, poumon, et puis pour venir, il y a tête chauve. Globe, c'est un bon atome qui rassemble qui fait. Roche, même bagage, la pied bois, même bagage, la chaîne qui belle en cou là, atome. Dans chaque ça qui existait, il y a atome, pas vrai? Mais atome, il y a pas toujours même. C'est ça, en 1869, il y a un scientifique qui est Dimitri Mendeleev, qui a pris un atome, il a classé, il a mis un tableau et il a pris chaque nom. Comme ça, chaque ça qui existait, ou un atome qui combine ensemble qui fait un tableau. Si je prends de l'eau dans la boya, c'est deux atomes qui font hydrogène et oxygène. Si je prends deux hydrogènes et un oxygène, je mélange. Là, je prends un petit aglo, petit, ou pas même kawé. Mais si je prends 1 million hydrogène et 500 000 oxygène, je mélange. Li ka ba yon verre de l'eau et pour mon bassin de l'eau qu'on a m'a quitté nous pour nous voir combien d'atomes qu'il a dedans. Moi dis nous atomes yon tout petit, si vous besoin c'est là on prend plusieurs ou mélanger même genre à l'eau. Eh bien monsieur savant va aller pile loin toujours, yon ouvre atome nan nan gwa pareil, yon joine en dedans gen l'autre élément encore. Au total trois éléments gen yon nous ka considérer le temps pour partie plus nan on pile yon rele proton, ça veut dire charge positif. Il y a un deuxième qui n'a pas de charge même, ça veut dire neutre, il y a le neutron. Et puis il y a un troisième, on peut considérer le temps que partie moins dans une pile, il y a l'électron. Deux premiers, proton et neutron, ils collent ensemble dans l'atome, ils forment un petit grain. Français, on dit noyau. Tant qu'on grain en dedans aux avocats, on considère les avocats c'est atomes et puis en dedans, il y a un grain. Si grain ça proton et neutron formé, il y a le nucléaire. C'est ça que fait, on parle des amis nucléaires. C'est parce que vous faites avec énergie qui sortit dans le nucléon. Relax, n'a vini. Électron lui-même dit nous qui négatif, la fait un petit grain. Tout ça a fait un dans atome. Les messieurs savent que classé atome, vous avez fait groupe avec vous. Tout ça presque semble qui a les mêmes caractéristiques, vous mettez dans le même groupe. Et vous avez un groupe yo, non. Alcalin, alcalinotéreux. Et puis il y a un groupe ça qui est en bas là, monsieur Relil. Actinide. Ou je ne la donne, uranium, plutonium, qui est dans le bon. Donc, nous avons fini sous le bon. Et bien, ça qui passe, atome ça au même, yo gros, actinide, yo. Mais yon gros, l'autre caractéristique, yo radioactif. Ça veut dire qui ça? Nous dit nous, chaque atome qui a un grain en dedans. Dans chaque atome qui est dans l'autre groupe, yo, si grain ça reste stable. Quand c'était proton et neutron qui forment ce grain là, pas changé. Mais en 1896, il y a un chimiste qui est Henri Becquerel qui remarquait dans l'uranium qui est un actinidio, il y a un autre comportement. Li pas stable. Li toujours un pile proton cap sorti, cap rentré, atome dans carré était constant, il éclaté puis proton sorti. Et là ça fait yo ouais, li libère une quantité d'énergie sous forme chalet. Donc li bay chalet. Depuis le monde là existait phénomène ça fait en batterie à tout côté qui gagne mine uranium. Ça pas jamais bay problème parce que pas une quantité d'uranium qui concentré yon côté. En 1938, yon découverte qui pral fait, qui pral changer toute question ça. Côté Otto Hahn et Fritz Strassmann qui sont deux chercheurs allemands, yo pral remarquer réaction qu'a fait dans la nature côté uranium a éclaté pour le bail énergie, yon ka fait dans le laboratoire. Qui ça vous fait? Yon prend yon atome uranium, yon voye yon neutron en dedans, yon wèl réagit, li gaye, li bail énergie. Monsieur yon le phénomène nan, fission nucléaire. De là, monsieur yon découvri technique qui ka bail bombe. A bien rapide, monsieur yon lage yon nan bourrage. Pendant qu'on fait découverte ça, causé ça pral bay gros qu'est serré. Depuis l'année 1938, yo, avant la deuxième guerre mondiale, là, t'es qui t'a commencé une grosse tension dans le monde. Là. 15 mars 1938, Allemagne envahit Tchécoslovaquie. Li mette mes sous plus gros mine uranium qui gagne en Europe. Il y a un scientifique qui est le Leo Zilad. En juillet 1939, il y a Albert Einstein, Einstein lui-même qui dégage un travail depuis 1905 sous une formule E égale mc², qui expliquait qui j'ai avec un petit calmas
ou ka produit yon pile énergie. Zilad ki tap viv bagay yo en Allemagne di hashtag mon cher pral gen problème. Monsieur Allemagne ou fè yon découverte ki pral permet yo fè bombe atomique. Déjà Zilad pat dans se collé ak Allemagne ou monsieur di si c'est Hitler qui mette men sou bombe ça avant, le monde pral gen problème. Eh bien ça Zilad fait, li riyon let, li pote le ba hashtag, li di hashtag si yon let sa pou voye by Roosevelt ki de président États-Unis pou di monsieur Allemagne yo ap travay sou bombe atomique. Fòk li leve pied. Bon Roosevelt jwenn net la, li pran scientifique pou mete yo travay sou uranium nan. Pa gen pressé. Déjà pot ko gen gen. En décembre 1941, le Japon frappe Pearl Harbor, États-Unis pral rentre nan gen. Et en 1943, Roosevelt pral rele scientifique li yo pou yo travay sou projet sa ki pote non projet Manhattan. Et c'est projet sa ki ta pral fè premier bombe atomique dans l'histoire de l'humanité. Bien, bien rapide, monsieur al fait encore dans laboratoire Los Alamos pour planifier ça plus passer 200 000 monde qui pourrait griller en bas sous chalet uranium et plutonium dans le Japon. Pour projet ça réalisé, le gouvernement américain a débloqué 2 milliards de dollars américains. Il y a plus passer 130 000 monde qui travaillent sous projet ça. En août 1945, bombe atomique prêt. Il fait deux. Premier il relait Little Boy. Bombe ça a été faite avec uranium 235. Pour ça, il a utilisé 64 kg uranium. Il a placé le nom boîte en acier qui a une longueur 3 mètres. Et deuxième bombe là, il y a le Fat Man, lui même il a fait avec plutonium. Pour le faire, il a utilisé seulement 6 kg plutonium. En juillet 1945, avant la lavée sous Japon, il a laissé Fat Man dans le désert Nouveau-Mexique. 6 août 1945, il a chargé Little Boy sur un avion, direction Hiroshima. Américains ont choisi Hiroshima, c'est parce que c'était une ville stratégique pour Japon. C'est là où t'es caché en pile d'amio et où t'es une industrie gaz toxique l'autre bord ça. 9 août 1945, t'es choisi Kyoto pour t'allager Fat Man, une ville importante pour Japon. Et à cause pilote la pas kawé bien pour lager bombe nan, on y a lagé sous Nagasaki. Bombe ça ou lagé sous ville ça yo. C'est boule du feu qui a levé. Il y a trois façons bombe ça ou faire dégâts. C'est chaleur bail là. Il faut qu'on ait température à te monter à 4000 degrés Celsius. Peu pas ici si mettons de l'eau bouillie. Du fait qui vous fait le bouillir, dans la température normale avec pression, la privé 100 degrés Celsius. Dis-nous là, chaleur bombe nan rivé à 4000 degrés Celsius. En plus des niveaux chaleur ça qui pourrait détruire tout ça dans l'espace là, bombe atomique là tout baron souffle, tant pour son gros vent qui ravager tout ça campé après chaleur. Et pour finir, un petit temps après bombe nan, zone nan vin radioactif. Qui veut dire uranium et plutonium rete concentré dans la zone. De pour paraître là, la détruit toute cellule encore qui peut le bail cancer s'il pas fait nous en deux sous place. Je vais expliquer nous qui j'ai atom uranium fonctionné. Je vais nous dire là, il n'y a pas de gros effet ça. Et bien, qui ça peut le passer qui fait le bail gros boule du fait ça qui peut le ravager tout ça sous passage sous des kilomètres. Et bien, processus qui fait ça, scientifique qui aurait réaction en chaîne. Mais qui ça lié? Si je prends un grain atom uranium, je vois un neutron sous lui, la éclater, la baille chaleur, la baille rayonnement, la baille l'autre neutron, ça pas qu'à baille problème. Mais quand si je prends 5 atomes uranium, mettez un petit espace, je vois un neutron sous une, la éclater, la baille l'autre neutron qui va jouer l'autre, va éclater tout. Tant que c'est une chaîne, la quantité chaleur la baille là à plus. Et bien pour faire un bon tant que Little Boy, je prends 64 kilogramme uranium. C'est des milliards atomes d'uranium pour fermer nos petites boîtes. Et là, yon atome éclaté, tout l'autre pral de elle. Ça autant de ya, yon gros bout explosion. Nous devons connaître yon gramme uranium qui donc yon 4 cuillères. Ka produit plus énergie que plusieurs gros camions gaz que mettez ensemble pour faire exploser. Uranium ça pour jouer c'est dans mine, c'est dans gros boule roche en batterie ou des mines dans Kazakhstan, Canada, Australie et la Drie. La deuxième guerre mondiale la fini qu'on y a pays yo pral rentrer dans guerre froide. C'est qu'on y a toute puissance pral finao yo faut que yo gen zam nucléaire parce que yo wè zam nucléaire là c'est pas monté mal. Depuis 1949, Union soviétique qui te gen la Russie en d'elle, te gen commencé à essayer zam nucléaire yo. En 1955, yo te gen développé 350 ogives nucléaires. Et en 1961, il passé à 3000 rapides. En 1952, Royaume-Uni commençait à développer Zambal. En 1960, la France a frappé. La Chine, en 1964, fait premier essai pal. Toute puissance a metté Zam nucléaire à terre. Ou Allemagne et Japon, par contre, ça a passé, monsieur, tout pas rentré dans la course là. Oh oh, pendant que je parle de Zam nucléaire là, type ça me décrit pour nous là, il y a une bombe. Ah, c'est bombe qui fait à fission nucléaire, monsieur Allemand a été découvert en 1938 là. Eh bien, dans l'année 50, yo, yo pral développé yon lot type bombe atomique qui est plus dangereux que bombe A ça, qui est les bombes H.
bombe à hydrogène, c'est avec atome d'oujou. Depuis novembre 1954, États-Unis ont essayé le premier bombe Ashley qui était 1500 fois plus puissant que la bombe qui était larguée au Japon. Mais si vous avez un pile d'armes nucléaires commencé à faire, vous avez signé un traité qui empêchait l'autre pays de développer des armes nucléaires. Oh, c'est blague! Inde, Pakistan, Israël, Corée du Nord, ils ont tous développé des bombes nucléaires sans permission. Personne. Et Corée du Nord allait plus loin. En 2003, il retire l'école net dans le traité qui empêchait pays de développer des bombes nucléaires. Qui donc faut camper un grand dans le monde. Là. Nous devons connaître, depuis la guerre froide, la terre prend fin, il a commencé à diminuer les armes nucléaires qui étaient gagnées dans le monde. Là. En 2017, il y a 14 000 têtes nucléaires dans le monde. Là. Pourtant, dans les années 60, les États-Unis seulement ont développé 33 000 têtes nucléaires. Il y a 6 pour qui sortent un rapport en 2021 qui fait qu'on ait 16 000 têtes nucléaires. Dans le monde là. C'est là où ici qui a plus de têtes nucléaires. Il y a 6255. États-Unis, il y a 5550. Yo déjà représenté 90% de toutes les armes nucléaires qui sont dans le monde là. Royaume-Uni, il y a 225. Pakistan, il y a 165. Inde, il y a 156. Israël, il y a 90. Et puis Corée du Nord, il y a 45. Je dis à la, dans le monde là, il y a 9 puissances nucléaires. Il y a 9 pays qui ont des armes nucléaires. La caillou. Là aussi, il y a un avantage. Il y a plus d'ogives nucléaires. Mais il y a ça plus puissant autour. Les gars, ogives nucléaires qui est le Tsar Bomba, c'est une bombe H. C'est l'arme qui est plus puissant dans le monde. La première fois que tu as essayé, c'est en octobre 1961. La puissance bombe ça a fait n'importe 500 000 fois puissance Little Boy, tu as lagué Japon. Et si tu as lagué bombe ça dans un pays tel que la France, c'est sous 100 seulement. Moun ap mache. Et là aussi tout, il y a un missile qui est plus puissant, qui est le RS-28 Samat Satan 2. Bien rapide, il est important pour faire différence pour nous entre ogive nucléaire et missile. Ogive nucléaire ou tête nucléaire, c'est lui qui bombe, c'est lui qui va exploser. C'est lui même qui fait avec uranium ou bien plutonium. Mais missile là, il est là pour déposer la bombe là, côté pour exploser. Donc, missile là, c'est un appareil qui a un moteur là-dedans qui a volé. Bombe là, pas à voler. C'est la guerre pour y aller la guerre. Et vous mettez la tête missile là, et vous lancez missile là. Sorti dans l'année 40 pour arriver à l'année 50, c'est avion qui a la guerre pour nous. T'as coup, Little Boy là, vous avez utilisé un avion qui est un Boeing 29 pour aller la guerre sur Hiroshima. Et après, tout pays a commencé à développer missile pour faire travail ça. Donc si vous avez besoin de bon mou, river loin, faut qu'on fasse un missile qui est loin. Dans ça, Satan 2 c'est un missile ou bien une machine très puissant pour aller porter bombe. Avantage li, li ka pote en pile. Parce que yon ka mette 12 têtes nucléaires sous li. Ki donc, yon ka lance Satan de là, la bâche ap depose bombe de pays en pays. Et deuxièmement, li ka a loin. Li ka couri 18 000 km. Et non ti kal tan. Là, tout samedi sous nucléaire là, gen rapport ak bombe ak zam. Mais, yon pas utilisé énergie nucléaire pour uniquement faire bombe. Oh non! Dans les années 50, les pays yon vint comprendre qui niveau énergie atom, uranium et plutonium kabay. Et bien yon dit yon, pour qui ça yon pas utilisé dans l'autre domaine ou les ses âmes seulement? C'est comme ça, yon utilisé énergie nucléaire la kounya pour bailler courant. C'est ça qui fait ou qu'on tende à parler de centrale nucléaire. Centrale ça yon même yon pas fait zam. Yon produit courant. Donc énergie ça qui puissant en pile vient remplacer gaz pour virer turbine dans centrale électrique yo. En 1951, États-Unis ont construit première centrale nucléaire pour l'ECL qui a produit 5 MW courant. Après un pile pays vient suivre. En 1972, la France a une centrale qui a produit 500 000 MW courant. En 2017, en France, sous 573 TWh courant, yo produit énergie nucléaire baille 379 TWh. Qui représentait 70% de la production totale là. Et même 2017 ça a été 250 centrales nucléaires dans le monde là. Et pour pays jodi ya qui a centrales nucléaires qui a bay courant ou joine lisa. M'a campé là. M'espérer dans cette vidéo ça ou t'es apprendre en pile sur énergie nucléaire, zam nucléaire, bombe atomique et la trier.